Bon, il y a un constat qui est simple. C'est quand même que ça ne fonctionne pas très bien ce qu'on essaie pour traiter la question de l'éloignement face à l'emploi. Ça marche pas bien, on regarde les statistiques, elles sont quand même un peu consternantes. Donc nous sommes condamnés, tant mieux, à innover, imaginer de nouvelles solutions, de nouveaux dispositifs, avoir des approches globalisantes. Faire en sorte que nous puissions connecter tous les opérateurs, des agences de l'emploi, des organismes de formation, bien sûr au centre le demandeur d'emploi et enfin le marché du travail, c'est-à-dire les entreprises. Il faut que tout ça soit connecté. C'est pour ça que le CNAM s'engage avec l'unité ministérielle de l'emploi. C'est pour trouver un dispositif beaucoup plus globalisant qui permet de mieux réussir. Ce qui est naturellement une nécessité pour nous tous et pour nos concitoyens. Et je terminerai par une phrase de Sénèque. C'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Et ce traitement enthousiasme avec la conviction et humaniste, ben ça c'est le CNAM et ça fait 220 ans que ça dure. Le CNAM va oser avec les vitaminés de l'emploi.